Au Canada, peut-on annoncer et vendre des produits en dollars américains? On a parfois l'impression que certaines compagnies américaines manquent d'égard envers leurs petits voisins du Nord. Elles ne se donnent même pas la peine d'afficher le prix de ce qu'elles vendent ici, dans notre monnaie nationale. Ce n'est peut-être pas un crime de lèse-majesté, mais parfois, on dirait que ces entreprises veulent donner l'illusion que leurs produits sont moins chers. Par exemple, dans cette infopub, le prix est en dollars américains. C'est indiqué là. Mais le narrateur, lui, ne le mentionne jamais. Pour 19,99 $, pour seulement 29,99 $. Bon, les entreprises ont le droit d'annoncer le prix de leurs produits en dinars algériens si elles le veulent. Mais les lois exigent que cela ne nous induise pas en erreur. Aux dernières nouvelles, aucune entreprise n'a été condamnée pour cause de tromperie avec des dollars américains. Mais bien des gens trouvent qu'elles se tiennent parfois juste sur la ligne. Et ça, c'est énervant. À défaut de mieux, adoptez cette devise. Je ne tiens pas pour acquis que les prix sont en dollars canadiens. Passez le mot.